C'est fort, Maguette. J'ai pris le contrôle du vlog. C'est parti pour essayer de rec, l'été sera chaud. Où vais-je aller ? Pas convaincu. J'ai pas dansé, l'été sera chaud, l'été sera chaud, l'été sera chaud. Ce que j'aime bien faire après m'être mis dans le bain, c'est de recommencer au premier couplet et de voir si j'ai une interprétation qui est meilleure ou si je garde la première. Dans quel été je vais plonger, Ouais, la première est un peu timide. Ouais, je pense que la 1 et 2 ça dégage sur... L'été sera chaud, l'été sera chaud. Tu sais, sur une petite variante sur le refrain, ça peut être sympa. L'été sera chaud. Ok. Et même s'il pleut, l'été sera chaud. Oui, même s'il pleut, l'été sera chaud. Ok, et je crois qu'il y a des armes. Ah. Ouais, j'ai envie de faire un truc comme ça, ce sera mieux. Ah. L'été sera chaud, l'été sera chaud. L'été sera chaud, l'été sera chaud. Dans les t-shirts, dans les maillots. L'été sera chaud, l'été sera chaud. Ok, donc là je pense qu'on est pas mal. Ouh, j'ai un bouton. J'ai fait le français, mais j'ai pas fait de version anglaise, c'était parce qu'il y a une version anglaise. Faut faire le français d'abord, ouais. Ouais. J'aime bien quand tu souris, on sait pas ce que ça veut dire. Si, c'est stylé, c'est bien. J'ai enfin fini l'été sera chaud. J'avais fini tous mes édits et il y avait quelques voix à certains endroits qui saturaient. Je pense trop d'enthousiasme ou trop de gain ou trop des deux. Du coup, j'ai refait les parties qui saturaient, c'était juste quelques mots par-ci par-là. Et j'ai tout fini, c'est parti. L'été sera chaud, l'été sera chaud. Voilà. Ça tue. T'as envie ? Non. Faut que t'envoies. Ça claque. Ça pourrait passer de ouf, genre sur Europe 2 et tout. Parce que, en fait, il y a un côté électro, trop stylé moderne, mais t'as aussi un petit côté variété d'aujourd'hui, t'es Clara Luciani et tout ça. C'est le côté disco, en fait. Ouais. Franchement, c'est stylé, hein. Faut que je l'exporte, ça. Le temps sera chaud, le temps sera chaud. On est en train de répéter pour Pornic. Je voulais commencer à répéter hier soir. Mais j'ai mis 2 heures à trouver cette pédale. Que je n'ai quasiment jamais utilisée. J'avais acheté ça il y a 3-4 ans. J'avais jamais eu l'occasion de m'en servir. Elle agit un peu comme un piano, mais en fait c'est un sampler. Ça sample un petit bout de ce que tu es en train de jouer et tu peux le mettre en boucle. Mais ça agit vraiment comme une pédale de piano. Et donc je la mets sur ma guitare pour créer des ambiances et tout. Et là on a essayé, ça marche bien. Et on a ajouté un petit pad aussi de kick. Le petit gyro, et puis voilà, on est en train de tester des choses. Je courais à travers champs qui sont venus les nouveaux lotissements. Je dis bonjour à tous ceux que je croise comme si je les connaissais vraiment. À ce qui paraît, il pleut, il pleut, il pleut. C'est bien, mais est-ce qu'on part le kick comme tu as fait tout du long, ou alors on le fait arriver au deuxième couplet? Les paquets sur les cons. Je me dis ça donne de la richesse, parce que comme le premier refrain complet on l'a eu sans, on a un deuxième couplet avec. Ça me va, on note. Souviens-toi le jour où tu m'as emmené danser. Il y avait toi, il y avait moi, plus rien à penser. J'aimerais danser avec toi tout le temps, j'aimerais danser. Bah c'est les paroles juste, mais sinon ça rend bien. Que morti à la télé en solo, c'est pas si drôle. Y'a des journées, y'a des soirées, sans toi c'est carré. Ça prend des mille fois trop long. Y'avait rien qui faisait l'affaire. Je sais pas pour toi, mais à moi tout seul, je fais pas l'affaire. Ouais, c'est bien. Ok. Yo, c'est l'UNIS pour Première Scène Europe 2. Je voulais que ça finisse bien, pas comme dans un film de Coppola.
Regardez-moi cette andouille. Cette andouille qui regarde trop From. Des fois, j'aimerais que les voisins le voient. Wesh! Regarde comme il est grand! Attention! Regarde les madeleines. Je crois que ça allait bien avec un oiseau. Ça, c'est exactement Europa. Tu fais ça dans quoi? Sombrero. Attends, mais c'est incroyable. Refais les quatre notes. Regardez si c'est pas Europa. T'as plagié sans faire exprès. Tu sais ce que j'ai l'impression que je vais regarder à chaque fois que tu fais ça? Cinquième élément. Il y a ma cassie. Il y a ma cassie. Chacun son truc. À chaque fois que tu fais ding ding, j'ai l'impression que genre ça va faire, je peux la faire les yeux bandés. Voilà, j'espère que ça tienne jusqu'à Pornic, que je ne barrerai pas sur la qualité de ces stickers, mais bon. Si. Sur leur capacité d'adhésion. Il faut nettoyer, balayer, mastiquer. Yeah. Toujours le plancher. Parce que pas grand chose, c'est déjà pas mal, c'est déjà mieux que rien. Viens, on me pose avant la fin. Ça fait mal aux ongles. Il est carrément drôle le plan. Aujourd'hui, changement de décor et changement de vélo parce que c'est une lessive qui est en route. Du coup, on doit rester à la maison. Mais Loulou voulait aller courir parce qu'il fait beau, qu'il n'a pas fait beau de la journée. Sauf que, bah, vu que d'habitude, on court pas ici parce qu'un vélo, c'est absolument pas praticable. J'ai pas mon vélo avec moi. J'ai mon vélo électrique. Donc aujourd'hui, j'ai tri. Aujourd'hui, on a eu une réunion avec Jean-Christophe qui va s'occuper de la promo du mauvais choix. Donc, on lance la promo à partir de maintenant, je crois. C'est parti. Et on a eu aussi un rendez-vous avec Era Music pour la sortie d'un EP sur Nitoona. Et ça s'annonce très prometteur. Waouh! Ce qui est bien, c'est que là, je fais du sport. Et que si j'ai envie, je peux ne pas en faire du tout. Là, je suis en mode scooter, quoi. Mais bon, on n'est pas là pour tricher, on est là pour faire un peu de sport, quand même. Alors, qu'est-ce que c'est? On dirait de la mauvaise herbe, hein. Qu'est-ce que c'est comme plant? Je serais étonnée que le sarrasin, ça ressemble à ça. Plante sarrasin. Ah, j'ai rien dit, c'est peut-être du sarrasin. Ça a une gueule chelou. Qui coule des yeux. Le pollen, c'est une horreur. Voilà, ça a l'air d'être du sarrasin en fait. Je savais pas. Nous sommes sur le départ pour Pornic. Voilà, il faut mettre ça dans la voiture. Là, on a tout rangé. On avait fait notre petite liste pour rien oublier ici. Et vous voyez, tout est coché. Sauf 3 Jack, pull canard et pied xylo. Là, on a tout. Voilà. Let's go! L'idée c'était de pouvoir fermer le petit truc. J'ai réussi. À qui on doit dire au revoir? À Bébé. Dis au revoir à la caméra, Bébé. Au revoir, caméra. Je t'aime. Bisous, Bébé. Et voilà le dernier truc de la liste, le pull canard. Check. Et on peut y aller. C'est un grand cru. Ton muffin. C'est un vigilance grand cru. Prends le pont de Saint-Nazaire. Pornic. P-O-R-N-I-C. Porniquois. Porniquois. Je m'appelle Monsieur Pornic. Nous sommes arrivés, on est parti récupérer toutes les petites infos pour le marathon de concert. Et là, on va déposer des petits trucs à la chambre. Et après, c'est parti pour les concerts. Oh, je me rappelle de la soirée qu'on avait passée avec Kiss ici.
On s'était posé là. C'était chouette. Hop. On a un balcon. Ah ouais. Nous sommes à l'hôtel au Golden Tulip. Pas mal la chambre. On est bien accueillis. Mmh. On nous a pris une belle chambre pour le concours. Ils nous ont tout expliqué. En fait, tout est plus ou moins pareil que quand on avait fait en 2018. Sauf le système de vote, cette année, c'est des QR codes. C'est numérique cette année. En fait, c'est la version 2.0. Let's go. On y allait sans élan, la fleur au pistolet, le cœur à la roche. On a mis les loups pour un Eldorado. C'est fort, Maguette. J'ai pris le contrôle du vlog. On arrive à la troisième session du vlog. Du concert. Troisième. Enfin, vous m'avez compris, à Pornic. Du coup, faudra dire pour le site. Il a fait ce qu'il y a sur la vie. Pourquoi je me suis pris ? J'ai tout filmé. En direct des balances. Mais j'ai une première chanson. J'avais trop le soleil. Elle avait plus ses cheveux que le soleil. Hein. C'est pas facile de faire les balances. Je savais pas que sur une table de mixage, tu pouvais ajouter de la réverb. Bah si, cours de son en direct de Pornic. C'est comment qu'il s'appelle le bar? L'Ardillon. L'Ardillon. Voilà. Avec un D. Ça va bientôt commencer. Et il est 45. Ça va comment ? On avait déjà participé à Chanson de Café de Pornic en 2018 et c'était un souvenir de folie. Donc vraiment trop content de remettre ça cette année. Faire n'importe quoi, comme manger des trucs bons mais pas bons pour moi. Je sais pas pourquoi, aujourd'hui j'ai la flemme. Hey, 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 je me réveille, c'est la flemme. Selon vous, quel est le plus gros cliché sur la Bretagne? Il pleut tout le temps. Il pleut. Merci beaucoup. Merci. On a rencontré Boulevard des Airs, donc ils sont devenus des amis par la suite, avec qui on a eu la chance de faire plein de chansons, et nous ont invités à partager une chanson avec eux sur leur album. Si je t'aime celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Merci beaucoup. C'était trop bien. Il y a une église qui est pas loin, elle a l'air vachement belle. Bah, c'est pas de ma faute, j'aime bien les églises. Mais filme pas. Bah, je filme ce que je veux. Moi je filme deux églises, voilà. C'est comme ça, le vlog. C'est moi qui prends le contrôle. Si j'ai envie de filmer une église, je filme une église. Et les voitures qui passent, c'est la vie quoi. On va aller faire dodo. Et c'est une fin de première soirée sportive. On a fait nos trois concerts et voilà les amis, coucou, qui nous ont filmé. Trop bien. Coucou. Comme ça, on a pu avoir des trucs un peu vus de l'œil extérieur et ça, c'est vachement chouette. Donc là, on va se rentrer tranquillement. Montrez votre œil extérieur à la regarde. Caméra. Ça, c'est mon œil extérieur gauche et ça, c'est mon œil extérieur droit. Ah, des bisous, à demain. Bisous. Reposez-vous bien. À demain. Je regarde où on peut manger et puis je vous envoie des trucs. Ouais, pas de problème. Bisous. Maintenant, on va rentrer à l'hôtel tranquillou bilou. Ben, et puis surtout, monter le vlog de ce qui a été fait aujourd'hui parce que demain, clairement, ça va être sport comme possible. Bonne nuit. Vite, vite. Ça s'ouvre. Oh, les grenouilles. Ouvre la fenêtre. Écoute les grenouilles. Oh la vache. C'est trop bon. C'est pas vrai, on sait pas, on n'a pas goûté encore. Moi j'ai goûté, c'est très bon. Ah bah y a du monde. Il y a plutôt un joli cadre à Pornic, hein. Oui, j'ai repris le contrôle du vlog. C'est toujours moi. Par là-bas, il y a le château de... Je sais pas où il est. On le voit pas ? Faut que je le tourne ? Enfin bref, il y a le château de Barbe Bleue où il a tué toutes ses femmes. C'est plutôt sympa comme anecdote. Il n'y a pas de première ou dernière chanson. Il y a que des chansons de café, des chansons d'âme et des chansons de l'année. De toute façon, j'en ai s'emparé avec émotion. De toute façon, toutes les chansons se chantent à l'unisson. Il n'y a pas...
Bonsoir à tous, nous c'est Lunis. On est hyper content d'être ici avec vous cet après-midi. On a passé une soirée de dingue hier et on remet ça ce soir. Toi, t'es la plus belle à mes yeux, t'es sale et t'es venteuse, tes embruns bousillent les cheveux. Il pleut, il pleut, il pleut. Vous êtes fort. Il pleut, il pleut, il pleut. À ce qui paraît, il pleut, il pleut, il pleut. Il faut mener la danse, il faut mener la danse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va laisser la place à Marie Petronette. Bonne soirée et à tout à l'heure peut-être pour certains. Eh bien, on va retrouver, il y a la sœur de Lorraine. On va aller faire coucou. Coucou, c'était trop bien. Coucou la sœur de Lorraine. Ça va ? On est le vlog. Ça va, c'était bien pour vous. C'était bien pour nous aussi. On avait évidemment la tête sous les flots, une part de l'orage. Là c'est mieux. Ouais, c'est mieux. C'est plus détaillé. Bah, on s'est mis loin. Je vais avoir envie de rigoler. Mais non, mais alors je me contenterai de ce que la vie m'a donné. Et puis je verrai bien après si tu veux pardonner. Comment j'ai des trucs bons mais pas bons pour moi. Je sais pas pourquoi. Aujourd'hui j'ai la flemme. Je me réveille, c'est la flemme. T'idéalises l'amour, tu sais, jamais dit que j'étais parfaite. Tu dramatises, c'est dans ta tête, fermons les yeux. Ouais. Je veux pas que tu passes le pas de la porte si c'est pour retrouver tes potes. Je vais être trop mignonne la matelette. Je voudrais que ça finisse bien. Ça, c'est un cœur, ça veut dire qu'on vous aime. On rattrape tous les concerts qu'on n'a jamais vus. C'est le deuxième concert. Ça va ? J'ai compris aussi, vous avez faim, on a pris du rhum blanc. Une grande planche. Ouais, je viendrai peut-être piquer un bout de saucisson. Je viendrai prendre comme ça des trucs. Je le mets dans ma bouche. Ouais, on est prêt là, c'est bon. Il reste 10 minutes. On a commandé une grande planche de charcuterie avec un peu de fromage. Ah ben, elle arrive. Attendez, hop. Et voilà, bon dégustation. Merci beaucoup. Et forcément, je parcours les plages que tu dessines. Tu auras mon ciel. Alors, c'était comment au Pico Pico Vino ? C'était vraiment trop bien. Oh, elle était nulle. Ouais. Non, mais. Il a dit que c'était pourri. Il a dit que c'était nul. Donc moi je vais prendre la défense de l'UNIS. Pour tout vous avouer, on avait des gens en face de nous qui disaient qu'ils aimaient bien la musique qui bouge, qui danse, tout ça. Et là ils ont dit s'il y a du texte ou de la poésie, on va pas aimer. Oui. Alors du coup je me suis dit bah merde. Parce que là il y a beaucoup de texte et beaucoup de poésie, donc voilà. Mais ça va, ils ont bien aimé. Ils ont trouvé que Lorraine avait une belle voix, tout ça. Mais sur le coup, je me suis dit ils vont pas kiffer. En fait ça va, ils ont kiffé, donc oui, c'est cool. Ils ont bien aimé, ouais. Ils ont voté le max. Non mais c'était trop bien, franchement c'est un chouette week-end. Alors avant qu'on nous reprenne la caméra, je voulais juste dire merci les loulous pour nous avoir confié cette fin de semaine en vlog. Il y a carrément un compteur de décibels. Les dernières balances pour le dernier concert de la soirée. Demain il y a les résultats. Je suis la seule, si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Je te sens revenir sans plan, juste comme ça pour le bonheur. Je nous imagine même en camping à Bruxelles. Combien de temps il reste ? 8 minutes. Est-ce que tu es pressée ? Oui. Petit diagnostic de ce week-end avant le moody. Je suis dans un mood détendu parce que ça s'est trop bien passé jusqu'ici. On s'est bien amusé, on a envie de dormir. On va tout donner pour les 30 dernières minutes. Après il y a l'after au spot avec tout le monde et après dodo avant la finale demain. En tout cas nous on a kiffé. Merci. Il pleut, 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 il ple
Tout à l'heure, ça sert à rien. Ça filme pas. Et heureusement alors, qu'il y a des gens compétents. C'était comment cette dernière soirée? Je recommence. C'était bien. On a eu le droit à un il pleut. Du tonnerre. Comment on dit déjà? Ah, j'allais le dire, ça allait être trop bien. Et anthologique. Filmé voilà. Par nos amis reporters du week-end qui ont pris le contrôle du vlog. Ça fait un peu vendre. Moi, je vais devoir monter tout ça ce soir parce que le vlog sort Bon demain. On va se marrer. C'était trop bien. Et du coup, là, maintenant, on va au spot. C'est un bar qui reste ouvert un peu plus longtemps pour retrouver tout le monde. Et puis voilà. Bonne soirée. On est bien arrivé au Val Saint-Martin pour les balances. On est éclatés. Mais en vrai, aujourd'hui, c'est qu'une seule chanson. Et s'il y avait eu tout un set à faire aujourd'hui, très probablement qu'on serait pas allé s'extindre la voix, s'abîmer la voix hier soir au spot à parler très fort. Ça va le faire, on va tout donner pour la dernière chanson. Et on vient de faire nos balances, donc c'est nickel. C'est très aigu. Peut-être on se dit qu'en mangeant et en buvant un peu, ça va aller. Et là, c'est AKM en pleine balance, qui est flou. Des fleurs, des fleurs. J'ai l'impression que manger, ça fait du bien à la voix. Ouais, ça fait du bien. Les cordes vocales, je pense, ça les nourrit en même temps de cookies. Ouais. Ça pose du gras, en fait, tout simplement. Ouais, je pense. Parce que normalement, en fait, on n'est pas censé pouvoir faire. On est censé pouvoir faire. Non, on a plus du mal. Et il faut qu'on annonce sur le Nice que le vlog ne sortira pas aujourd'hui. Parce qu'en fait, on pensait que c'était possible. En vrai, ça serait possible, mais on aurait un vlog qui serait pas aussi qualitatif que d'habitude en termes de son et tout. D'habitude, je peaufine bien qu'il n'y ait pas des trucs chiants partout. Et j'ai envie de bien faire. Donc, il sera là plutôt demain. Donc, on va annoncer ça sur le Nice. Voilà. On est content d'avoir passé le week-end, d'avoir pris le contrôle de ce vlog. Oui. C'était vraiment trop bien. C'était trop bien. C'est un très beau festival, une belle édition, une belle organisation aussi. On sent que c'est bien organisé, bien timé, il n'y a pas de couac, enfin tout se passe bien, quoi. Il n'y a pas de grain de sable. Vous allez interpréter ce titre, Fleur au pistolet. On va vous applaudir bien fort. A gagné le festival de chansons de café, Shadam. Et à la deuxième place, nous avons l'arnaque. Et voilà, on y est, hein, l'enveloppe du gagnant de cette 20e édition du festival de la chanson de café de Pornic. Et donc le lauréat pour cette 20e édition est le groupe Lunis. Oui. Eh bien, merci beaucoup, c'est un truc de fou. Comme le disaient tous nos copains, c'était juste un week-end incroyable. L'organisation est juste folle, on va pas se répéter, on l'a déjà dit 15 fois, mais c'est juste fou. Merci. On sait que vous savez très bien chanter. Et du coup, on s'est dit, et si on se refait pas un petit il pleut? Sauf que d'habitude, il pleut, on le fait au ukulélé. Oui, vous avez, oui. On l'a pas pris. Mais c'est bon, tu l'as pris la guitare. Normalement, ça fait. Ok. On les applaudit bien fort, Lunis. Oui. À ce qu'il paraît, il pleut.
Dans les mains. C'est trop bien. Le trophée est là. Bon, ben bilan de ce week-end, c'était trop bien. Oui, c'était trop bien. En plus, ils ont gagné. Oui, j'étais pire que stressé, comme si je passais moi-même le concours. Je tremble encore. Comme on sait que Lorraine, elle est fan des petites pièces à collectionner où il faut mettre 2 euros dedans et qu'ils nous ont offert un coca hier, et ben on va leur rembourser le coca avec 2 pièces de 2 euros, comme ça elle pourra s'acheter un truc. Donc on le cache dans la sacoche où se cache la caméra du vlog. Donc Lorraine, quand tu feras le montage, voilà, tu pourras voir que j'ai mis 2 pièces de 2 là, tu vois. Et tu vois comment tu vas faire plein de pièces. Donc voilà, merci dans la pour boîte. Ce fabuleux week-end. Je pense qu'on va bientôt rendre le vlog au propriétaire. Ils vont vraiment pas mal être détendus après cette victoire. On est là pour Pornic cet été en tout cas. Ah oui. Et puis foncez pour les artistes qui veulent participer à ce festival. Il est vraiment hyper bien. En tant que spectateur, on a fait des rencontres très sympas dans les bars et avec les bénévoles Tous aussi. Tous les artistes ont le cœur sur la main. C'était trop bien. Ouais. C'était les mots de la fin.